Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Isaac. Alors, je me suis mis à 99 morts, ce qui fait que ce qu'on va faire tout de suite dans cet épisode, pour changer, on va prendre Judas. Je vais me laisser tuer pour la centième mort et ainsi débloquer en direct, entre guillemets, le dernier, l'avant-dernier secret. Voilà, donc Pink in Cheers, maintenant on l'a. Et on va faire une partie avec Isaac en espérant trouver le dernier secret avant God Mode et non God Mode n'importe quoi. Platinum God et l'autre je sais plus. Donc là je me concentre pour qu'il pète près du bloc bleu. Et donc il n'y a plus qu'en secret dans le jeu, j'ai envie de dire. Il n'y a plus que ce satané Mums contact. Voilà, parfait. Alors, ça c'est pas mal. Triple shot. Donc maintenant on peut tomber sur Pink in Cheers, hein, l'objet que j'ai débloqué, en mourant. Ok, donc il n'y a rien par là. Voilà, c'est Golden quelque chose et Platinum God. Ce sera les deux derniers secrets une fois que j'aurai débloqué enfin Mums Contact. Une petite bombe. Donc on va pouvoir peut-être aller au shop si la salle secrète est là. Et s'il y a pas mal d'argent. Et non, une machine, bon, on va la péter. Clac, un soul heart, c'est pas trop mal. On va aller faire la dernière salle, même si ça sent le mini boss. Voilà, c'était sûr. Alors, c'est Pride. On fait gaffe à ses bombes et à ses tirs en diagonale, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Avec une carte de tarot, Def. Donc continuons, dans tous les cas cette vidéo n'aura pas servi à rien puisqu'on a débloqué Pink in Cheers. Maintenant si je pouvais en plus débloquer Mums Contact, bah, ce serait parfait. Allez, voilà, je me suis fait toucher comme un noob. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de fréquence de tir avec, bah, je vais utiliser Def, tiens, avec le triple shot, en même temps on peut pas tout avoir. Les pilule, non, on va changer. Bon, bah tiens, moi qui me plaignais de ma fréquence de tir, là c'est un bon tears up. Je n'ai pas de clé, il me faut une clé rapidement. Ouais, ça va un peu mieux les tirs, mais c'est pas encore extra, hein. Ça se voit. Ou le soul heart. J'ai fail à ramasser. Alors attention à l'ennemi là. Elle va mourir facilement. Une clé, parfait. Je vais attendre que le dice soit rechargé. Ici j'ai pas de bombe. Pas se faire toucher par l'ennemi rouge. Voilà, bah dis donc, niveau clé, je suis tranquille. On va faire le boss. Et donc, ce sera les Larrys. Version offensive en plus. Dommage, les bleus, ça aurait été pas mal. Ça m'aurait laissé au moins un petit soul heart. Enfin, c'est pas gênant. Voilà, parce que il nous lance des tirs de temps en temps. Allez, au moins que je m'occupe de celui d'en haut. Bien sûr, il y a celui d'en bas qui va s'en mêler. Allez. Mince, mince. Ouais, il y avait la crotte qui m'empêchait de partir, je l'ai vu que trop tard. Voilà. Alors, un petit speed up, on verra si on le change plus tard. Ici.
Ici, ouais. Bon allez, vas-y, on est des fous. Ça c'est juste pour avoir l'item du chat. Bah, le Dead Cat gratuitement et je suis en chat volant. Voilà, comme ça, on est tranquille au niveau des pactes. Je pense pas que j'en ferai d'autres. Il y a des blocs bleus ici. Bon, le chat volant plus triple shot, le Soul Heart que j'avais oublié. Allez, je vais peut-être aller ouvrir cette satanée salle dorée. Il y a une bombe donc. Est-ce qu'on la garde pour le bloc bleu ou pas? C'est la question. On va aller voir maintenant sur la route. Le sac of penny, ça m'intéresse pas. Bon, ici, ça devrait aller assez vite. Triple shot et les mouches, ça devrait y aller. Il manquerait plus que Polyphemus et là je serais vraiment overcheaté. Alors attention. Ouais, la mouche. Wow, je me suis fait avoir. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura maintenant plein de coffres dorés. Vu que j'ai pris la queue du chat. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Si on peut tomber sur Fate, je dis pas non. Alors ça, on change, on a dit. Ma little unicorn, on s'en fout. Est-ce que je pourrais encore reroll? C'est ça la question. Une petite pièce, on sait jamais. Hein. Hop, ça sert à rien. Ouais, je pourrais plus reroll, je pense. Ouais, c'est mort. Le Soul Heart qui fait plaisir. Bon, alors logiquement, la salle secrète devrait être là. Et voilà, on a 15 pièces. Oh, est-ce que ça se tente le shop? Ah ouais, on sait jamais s'il y a une... S'il y a une petite pile. Ça serait sympa. Ah bah non, mais je prends quand même. Je vais prendre la clé aussi, vu que maintenant... Il y aura pas mal de coffres dorés qui vont apparaître. Donc tant pis, on va laisser My Little Unicorn bah, là où elle est. Et on ira prendre le speed up, ce qui est pas plus mal non plus parce que je me sens un peu faible. J'ai envie de tenter la salle super secrète là. Non. Et là elle peut être en haut ou en bas. J'ai envie de dire en bas. Ah non, j'aurais dû essayer de... Ah j'avais oublié ce bloc bleu, je suis con. C'est ma faute là. Allez, hop, le speed up qui fera pas de mal. Et on arrive à Catacombs 1. Coffre doré, pas pour l'instant. Là, c'est la salle dorée qui m'intéresse. Ouh, deux golden poupes. Alors là, s'il n'y a pas la counterfeit penny, je comprends pas. Alors, est-ce qu'elle va y être? Eh non. Ça me fait pas mal d'argent, pas plus mal non plus. On va faire le boss directement. Ouais, pas un boss compliqué. En plus je vole, donc les rochers m'embêteront plus. C'est juste mes tirs qui vont pas passer, mais c'est pas grave. J'ai pas les spectral tirs, mais mes mouches volent, donc c'est pas gênant. Allez, on va bien au moins en tuer un. Je sais plus si cette version là, ouais, c'est les mouches explosives, c'est bien ce qui me semblait. Oh, comment il a c'est dégueulasse, comment il a dévié de sa trajectoire. Allez, meurs mon petit. Oh bah parfait, la mouche qui l'explose vraiment. Oh là, c'est n'importe quoi au niveau de ma vie. Oh là 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 là. J'ai perdu genre 2 Soul Heart, 2 ou 3 Soul Heart je crois. Alors que c'est pas un boss compliqué. Hein. Oh, j'ai impacté avec le jab là. Bon, on va prendre de la vie du coup, hein. On sait jamais. Ouais, ça m'intéresse pas ça. Quoique. Ça pourrait m'intéresser. Oh, le rasoir va te faire foutre. Hop là.
Donc le pacte, hein, j'ai regardé mes stats, mais je dois être pas mal. Moi, oh, bizarre, j'ai des stats pourries alors que j'ai pris le pacte, bizarre. Alors, hop, une bombe, parfait. Ouf, attention, il a failli me toucher. Raph, pas bien compliqué. S'il pouvait me laisser Mister Boom, serait parfait. Ce serait déjà un item à reroll. Et non. Un coffre doré. Mais bon. Déjà deux. Alors, il me faudrait une clé dorée, ce serait parfait. Pour l'instant, il faudrait que je trouve la salle dorée aussi. Ce serait pas mal du tout. Malheureusement, non. Encore un coffre doré, décidément. Ou attention eux, on les aime pas. Allez, ouvrez-moi la salle secrète, c'est tout ce que je demande. Bon bah, ils ont pas laissé le temps mes mouches, tant pis. Voilà, pas besoin d'attendre qu'ils crachent, on s'en fout. Je vole, je pourrais atteindre ce coffre. Ah, il y a le shop qui pourrait être intéressant. Voilà, on a enfin trouvé ce qu'on voulait. Hop là, la télécommande du docteur Fœtus qui sert à rien, du tout, si ce n'est que va servir de bombe pour le coup. Voilà, comme prévu. Oh, c'est la Bob's Rotten Head. Alors ça, ça fait chier dans le sens où pourquoi je peux pas atteindre la... le shop. Voilà, merci. Voilà, map sera plus utile que le Soul Heart. Et là, la question c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente l'Epic Fœtus? Non, allez, on va rechanger ça. C'est pas trop mal. Pas même si. Aïe, mais bon, tant pis. On va quand même aller sacrifier un demi Soul Heart ici. Dommage, y'a qu'un coffre. Et y'a même pas d'item. Bon. Et bah voilà, j'ai plus de clés. Et il y a 4 coffres dorés. C'est ça, hein, quand on prend la queue du chat et qu'on n'a pas les clés souvent, ça dégoûte un peu. Hop. Ah bah, une clé, parfait. Je vais la garder pour le niveau d'après, parce qu'on sait jamais. J'ai pas envie de passer à côté d'un item. Alors, je pense que la salle dorée est à droite, en fait j'en ai aucune idée, vu que j'ai la map et pas la boussole. Un coffre normal à la bonne heure. Ouah, il a quand même eu le temps de me cracher dessus le bougre. Allez, les mouches à l'attaque. Coffre doré, on va éviter. Et non, il n'y avait rien. Chier. Hop, des bombes. Donc là, la dernière salle, on la fait pas. Bon, allez, on va le tenter quand même. Et voilà, pas de chance. Je me suis dit, j'aurais une clé dedans, c'est sûr, mais non. Ce qu'on peut aller faire, c'est aller au shop directement par la salle secrète. Bon voilà, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre. Une clé, parfait. Alors, je pensais qu'il se ferait tuer par ma bombe, mais non. Alors ça, on détruit, magnifique. Là, il y aura grid. Ah non. Bon, alors ça on prend, puis on peut changer, ouais, allez. Ok, donc on tombe sur le Mumskin Purse. On va faire la dernière salle en haut, on sait jamais si c'est un mini-boss. Vu qu'il n'y a pas grid au shop, c'est pas impossible. Et il pourrait peut-être nous laisser un item, on sait jamais. En tout cas, j'ai toujours pas de trinket, je viens de remarquer ça seulement maintenant. Coffre doré, non. Allez, il faudrait Skeleton Key, en plus ça fait longtemps que je suis pas tombé dessus.
alors Pyro, puis tomber sur Bombes Arquise, ça m'irait aussi. Alors, ouais, ça c'est pas compliqué quand on vole et qu'on a des mouches qui font le boulot. Clac, une pilule. Elle fait quoi? Dire explosif, vite on se casse. Pas terrible comme pilule ça. Oh yes, à la bonne heure, un ennemi bleu. Donc un petit soul heart tranquillement. Clac. Ah mais vu où il est positionné, j'étais obligé d'utiliser ma clé, c'est pas grave vu qu'il y en a une autre qui a pop. Ghost Baby, on change. Clac, la mitre. Oh, je suis obligé de la prendre pour le bien de ma partie. Parce que j'ai que des soul heart donc. Mais bon, c'est toujours pas même high. Ça fait chier. Satané item. Hein. Hop, une clé, parfait. Les tonneaux qui pètent, parfait. Alors, une arcade, il y a quoi dedans? Ouh, il y a un item, on va la faire. D'abord, on va faire le boss qui va recharger le dice. Ouah, c'est pas un boss compliqué là, si je me fais toucher, c'est que je suis mauvais. Allez, on perd aucun soul heart sur ce boss, c'est hors de question. Merci pour le soul heart, ça c'est merci la mitre, je pense qu'elle a fait son petit effet. Allez. Ouais. La vie m'intéresse pas forcément en fait. Parce que j'ai que des soul heart. Ah, ça me met une autre vie forcément. Bon. On va faire les deux dernières salles et puis on prendra l'item qui rechargera une dernière fois. Ah non, parce que je me suis enflé. Il n'y aura pas cette salle. Bon, une clé, c'est pas gênant. Ici, est-ce qu'on a au moins un truc? Voilà, une troll bombe. Ça paye pas, ça, ces salles-là. Mais bon, quand ça paye bien souvent, mais ça paye pas tout le temps. Bon, on va faire, tant pis, on va faire l'arène. On aura un petit speed up, ce qui est pas dégueulasse. Plus range, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est la verte. Ouais, puis en chat volant, ça devrait aller, même si le fait de voler ne me sert à rien là. Mais les mouches, comme vous voyez, ça sert. Hop, un en moins déjà. Et sans se faire toucher, on réussit, c'est parfait. Est-ce que je prends le HP? Ça me fait chier de passer à côté quand même. Bon, allez, tant pis, on le prend. Ça me fait mon cœur rouge, espérant que j'aurai un petit pacte avec le Jabla 1. Sait-on jamais. Alors, bon, allez, par là, le Soul Earth, merci la mitre. Allez, une bombe dans cette salle serait parfait. Comme ça, je peux tout de suite aller voir avec un dé rechargé ce qu'il y a dans la salle secrète. Ouais, pas mal. Avec un petit soul heart, parfait. Alors, Yagrid, on va le faire tout simplement parce que s'il nous lâche un item, on est dans la salle secrète et j'ai le dice. Et il lâche rien, hein, c'est pourri. Dommage. Réduction Steam, j'aurais bien aimé les rerolls. Allez, on continue. Hop, j'ai pas mal de soul heart, hein. Le shop, on va y aller parce qu'il n'y a pas grid dedans, forcément il peut être, pas être à deux endroits à la fois. Oh, j'ai le même spurs et j'ai aucune trinket, tellement décevant. Oh bah tiens, viens voir papa. Une clé, ça m'arrange. Ok, donc non mais les mouches, allez pas sur les crânes, vous allez mourir, vous êtes bêtes. Là c'est con parce que j'ai le dé rechargé et ça ne sert à rien, mais bon, c'est ainsi. Coffre doré, oh, allez vas-y. Oh l'arnaque.
Ouh. Bon, voilà, on va pas l'ouvrir. Ok, même si ça a le queue tout à l'heure. Ah, la dernière fois, il y avait un Soul Heart quand même. Hein. Je peux pas dire, mais... Oui, la trinket qui fait plaisir. Allez. Donc, augmentation des dégâts. Ici, c'est pas trop mal, mais c'est pas ce qu'on veut. Le lard. Ouh. Ouais, compliqué comme décision. Parce que bon, je n'ai qu'un cœur, mais après, si j'ai des pactes avec le diable, pourquoi pas. Ouais, donc là, on voit, je tire des larmes rouges, tout simplement parce que j'ai Curved Horn et que c'est un item abusé. Ça, on le pète. Clac, deux clés. Merci. Allez, vas-y. Oh, c'est une bonne carte, mais bon, pour une clé, ça valait pas trop le coup. J'espère au moins qu'on aura la Polaroid et qu'on ira à The Chest, parce que là, le nombre de coffres dorés qui apparaissent, si je tombe pas sur même ce Eye à The Chest, je pète un câble. Non, je rigole, parce que je m'en fous, j'ai quand même débloqué Pinky Cheer, c'était cool de tomber dessus aussi. Un coffre normal avec un cœur rouge, on s'en bat les reins. Ici on a quoi? Ouais, ça sert à rien. Et après j'aurai plus que deux salles, enfin une salle et le boss pour recharger le dé, ce qui est infaisable vu que ça met trois salles, donc autant finir. Ouais, pas une salle compliquée. J'ai une bombe, je vais pas la gâcher dans la Who's the World. Bah écoute, on va revenir le chercher juste après. Ouais, non, ça sert à rien, je suis con, j'ai la boussole et la map. Je vais garder ma clé. Parce qu'il reste plus qu'une salle dorée. Ce qui fait qu'en fait, je vais attendre et voir ce que laisse. Bah, je vais pas reroll. Ouais, donc je vais prendre le lard, tant pis. Quoique. Oh, je sais pas. On va voir ce que propose Satan déjà. Enfin, si on... s'il s'ouvre. Ah, Little Guiche à la bonne heure. Donc, pas un HP up parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Et puis surtout, un familier vraiment bien sympathique. Allez, il manquerait plus que Polyphemus et Sacred Heart là, et j'ai la partie cheatée. Alors un pacte avec le diable, hop, Little Guiche on le prend. Allez, un bon pacte à deux cœurs rouges. Hop, on change. Ah, c'est pourri. Dommage. Bon, on va prendre le lard, c'est pas grave. Qu'il est là, on va le laisser là, voilà, hop. Bon, je suis bien remonté niveau vie, de toute façon avec la mitre je suis un peu tranquille, dommage c'était pas des pactes super. Alors bon bah priorité salle dorée évidemment. Attention à eux là, les deux ils sont en couleur donc ils m'enlèvent un cœur. Par contre là, à moins qu'il y ait une machine à dons de sang, je pourrais pas aller dans la boss trap room, ouais c'est ça le nom, enfin la reine sanglante moi j'appelle. Attention à Chubb version orange qui est plus rapide, qui peut surprendre. Là je l'ai bien maîtrisé. Ici on a quoi? Chocolate milk, dégueulasse. On va aller au shop parce qu'il y aura grid je pense. Et pas du tout, en tout cas on voit que il y a une clé. Et il y a aussi la pioche Minecraft, donc on pourrait changer et on pourrait avoir quoi encore de bien. Parce que j'ai la map, la boussole. Ah si, ouais, je pourrais avoir une des deux piqûres, ça serait quand même pas mal. Ça c'est quoi, jarre explosive? Vas-y. Hop. Bon. Clac, clac, clac. Je pourrais même m'acheter la clé, ce qui est plutôt cool. Hop. Non, j'ai pris la pioche, mais je suis trop con. C'est pas grave, je peux reroll. Quel con. Ouais, The Ladder sert à rien. Et ici, la pilule qui change. Mais c'est un tir zap, donc c'est pas trop mal. Ouais, ça on peut ouvrir. Flat Penny. Allez, à la bonne heure. Vraiment l'item qu'il me fallait, ça.
Allez, maintenant il me faut plein de pièces pour plein de clés. Ah, encore toi, version orange là. Bon, tu vas pas faire long feu non plus, hein. Merci, Little Gish. Le Soul Earth et. Ah non, pas la clé qui va avec la pièce. C'est dommage. Ici. Bon, pas parfait, hein. De machin là serait utile pour transpercer les ennemis, mais bon, ou technologie serait pas mal aussi. Alors, un crâne et des cervelles, pas de problème. Allez, une clé, oui, on peut ouvrir ça. On sait jamais hein, s'il y a d'autres items. Hop, en plus, à chaque fois qu'il y avait clé. Des pièces, ça me donne des clés. Allez, faut un bon stock de clés pour aller à The Chest. Enfin, faut pas vendre la peau de l'ours parce que je ne l'ai pas encore tué. Allez, ça on change. Oui, c'est ça qu'on veut. Bon bah du coup, c'est quoi? Tellement de vie que... Ah ouais. On va un peu cheater. Donc ça recharge que de 2 au lieu de 3. Hein. Je rappelle, on est dans la version 1.5. Voilà. Hop. Allez, Chocolate Milk dégage. Ah belle, ouais, laisse tomber. Ça sert à rien. Ça me coûte un Soul Earth ennemi à chaque fois pour recharger le dice. Hein. Aïe aïe aïe. Une machine à don de sang serait énorme parce que ça le rechargerait aussi. Ça me permettrait de me mettre un cœur pour aller dans la boss trap room. Allez, on change et puis sinon on va reroll. On va recharger le dice à l'ancienne manière. Oh, Little Chad, surtout pas. Allez, il faut y croire là, faut l'appeler, Mums Eye. En plus j'ai Curved Horn et Plat Penny de Trinket que j'apprécie fortement. Hop, petit stock de bombes, toujours intéressant. Oula, bon moi je me suis fait toucher sans le vouloir. Non, ça on va pas prendre. On a déjà une bonne carte de tarot, ça sert à rien de changer. Sauf qu'il faut pas l'utiliser sur un même parce que forcément ça nous attaque nous. Et c'est pareil pour It's Leaf, hein. Faut pas utiliser Hyper Trust sur It's Leaf parce que ben, vu que c'est même, ça nous attaque nous. Sinon sur tous les autres boss c'est bon, même sur Isaac. Hop! La boîte de pilules, on va prendre une petite parce que je suis joueur. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Bombes Arquise. Ouais. Ça m'arrange plus trop maintenant que j'ai la Flat Penny, mais bon, c'est pas grave. Bah donc on continue. Hein. Hop. Continuons. Alors ce n'est pas Grid au shop, je le rappelle, donc... C'est pas exclu qu'on tombe sur un mini boss, en même temps non parce que la map, la boussole me l'aurait montré, donc c'est qu'il n'y a pas de mini boss et pas de grid, assez bizarre tiens. C'est ainsi. Ah bah parfait, lui rechargera le dice. Non ça m'intéresse pas. Donc vous voyez, si on joue rapidement on peut jouer deux fois. Donc là je vais faire les allers-retours, ça risque d'être un peu chiant, mais il faut vraiment avoir Mums Eye, franchement depuis le temps que je veux le débloquer. Et en plus ça me permettra, s'il meurt pas, s'il me donne pas son item avant, de pouvoir aller dans la boss trap room, ce qui est toujours toujours sympathique. Allez, allez, un bon item hein, s'il te plaît. Non. C'est pas top. Et bien donc on continue. Après je peux peut-être tomber sur Docteur Fœtus, hein, c'est pas exclu du tout. Même si bon franchement j'en ai pas besoin vu tout l'attirail que j'ai là. Allez, on va jouer avec le méchant Mangian. Bon, il m'a laissé quoi? Dire explosive, on s'en fout, je vais reprendre Hyper Trace.
Il me laisse le Kito. Ça me sert à rien. Bah dis donc là. Il y a un bug, j'ai l'impression. D'être invincible plus longtemps. Regardez le nombre de fois où je peux jouer. J'ai joué 4 fois sans... Il me semble hein, que j'ai joué 4 fois. Sans me prendre le... Bon, tu sais quoi, j'ai joué une fois de plus. Comme ça, je pourrais aller sur le retour faire la post-trap room. Alors, une. Deux. Ah non, non. C'est moi qui dis nimp. En tout cas, ça c'est de la merde. Alors, attendez. Oh non, je vais galérer. Je vais galérer. C'est quoi ça? Lockdown. Ok, magnifique. Alors, la pilule. On s'en fout. J'ai tout ce qu'il me faut là. Ouais, c'est tous les bons trucs. Alors, je vais changer cet item là du coup. Ouais, ça me sert à rien. Oh. Pas mal. Non, ça sert à rien ça. C'est pas la Burn Penny, c'est la Bloody Penny. On change ça. C'est de la merde. Allez, c'est pas grave, on va faire la post-trap room et on a deux items à changer. Malheureusement, on voit mes. On voit mes. Mes Soul Heart désormais. Alors j'en ai pas mal en stock. Vas-y, on peut l'ouvrir, on s'en fout. Oh, la Golden Key, dommage, t'arrives un peu tard. Allez, on va faire la boss trap room. Clac. Clac. Et à gauche. Allez, un bon item, s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal. Un petit tears up. Enfin, c'est un damage up, hein, je crois. C'est pas tears up et HP up. Donc, bon, c'est pas mal. J'ai qu'une bombe, je vais la garder, même si j'adorerais lui foutre dans la tronche. Voilà, je me suis pris un coup exprès pour dire d'avoir le déchargé en sortant. Ce qui est le cas. Ça c'est quoi? C'est ouais, c'est direct explosif. Putain, c'est pour moi la troisième qu'on a. Ça sert à rien, c'est nul. Allez, continuons. Allez, Mums High, quoi, s'il te plaît. Ah, oh, paquet de cartes. Wheel of Fortune. Boum. On va changer ça. Allez, tant pis, je vais sacrifier un Soul Heart ennemi. Hein, j'ai pas trop le choix, j'ai envie de dire. Essayer d'avoir le maximum d'items, comme ça après, à The Chest, ils réapparaissent pas. Oh, si elle laisse pas la Polaroid, là je serais vraiment dégoûté. Ah bah tiens, à la bonne heure, je viens de le débloquer, donc c'est cool. Clac. Mais je le laisse là. Allez, on va encore sacrifier un Soul Heart. Je suis joueur. Un Soul Heart ennemi, pardon. Voilà. Allez, allez, un bon item là, déconne pas. Voilà, superbe, Kamikaze. Bon, bah au moins il réapparaîtra pas plus tard, mais. Ça fait chier, ou encore un Soul Heart ennemi, tant pis. Et puis si c'est un truc pas trop mal, bah je prendrai. Parce qu'il y a encore l'autre là-bas, allez reroll, hein, faut pas oublier ça. Book of Anarchy que je ne prendrai pas. Allez, ça on change. Oh non, c'est pas possible ça. Bah je vais encore sacrifier le Soul Heart ennemi que j'ai, hein, je peux pas laisser ça. Ça fait chier de laisser un item derrière soi. Bon, j'espère que la mitre m'abandonnera pas par la suite parce que là, hein, niveau vie c'est pas top. Sans le but c'est pas trop de réussir la partie forcément. Le but c'est de débloquer Mums Contact. Et pour ça il me faudrait déjà Mums High. Allez, Mums High maintenant. Ça on prend, tant pis. Ça m'indiquera juste où est la super secrète. C'est pas extraordinaire, je le sais bien, mais bon. Plus trop de vie hein. Puis si je meurs, le truc c'est que je reviens à un seul cœur.
Ce qui serait bien plus compliqué par la suite. Puis comme ça, on a un petit chat avec un casque, c'est stylé. Allez, 3 salles, donc largement de quoi recharger le dice. Hop, ici, bon, pas bien compliqué en théorie. Non, pas de cœur rouge, rien. Rien du tout. Allez, donne-moi une clé au moins. Ouais, c'est cool. Plus de coffres dorés qui apparaissent maintenant que j'ai des clés. Hein. Allez, on va aller changer l'item. J'espère au moins qu'il sera bien. De toute façon, soit je le prends, soit je le laisse. Hein. J'ai plus assez de vie pour me prendre des dégâts et recharger le dice. Attention. Bon, au moins on aura des bombes. Normalement je suis tranquille niveau bombe et niveau clé avec Flatpenny d'un côté et le sac of bombe de l'autre. Enfin bombe bag je crois que ça s'appelle. L'autre c'est sac of penny. Donc bah voilà, on n'aura pas le dice pour même en même temps, on s'en fout de ce qu'elle nous laisse. Hein. Ce qu'on veut c'est surtout la Polaroid, mais ça je pourrais pas y faire grand chose si elle le laisse pas. Pourquoi j'apparais à gauche? À droite pardon. Normalement on est au milieu du terrain. Ok, en plus je me prends un coup et je risque de mourir. Ah, j'ai pas compris du tout. Oh, dégage. Parce que là il y a la main qui peut apparaître à tout moment. Alors là il y a un truc que j'ai pas compris. J'espère qu'il y aura pas le bug de même. Où on se prend le dégât à la fin qui n'existe pas là. Ou dessous le heart, bien gentil. Avec. Pourquoi ça lag? En tout cas il n'y a pas la Polaroid. Hein. Je m'aperçois de ça maintenant, mais putain fuck. Ah là là, je dois encore aller la chercher. Ou alors il y aura pas de The Chest. Bon, c'est pas grave, avec les coffres dorés, il y aura au moins. Il y aura au moins de. Des objets, j'espère. Bon, allez, un cœur rouge, c'est pas extra, mais on prend. Et elle pète. Eh ouais, encore pas de Polaroid. Fichu version 1.5. Cœur of the Labyrinthe. Ok, donc on sait où sont les boss et on voit qu'il y a une bibliothèque qui ne m'intéresse pas parce que forcément ça ne peut contenir que des livres. Quoique, si je les fais tous pop et que je les repose après, il n'y a plus des livres qui. Normalement, c'est plus des livres après. Alors, est-ce que c'est une machine bleue? Oui! Allez. Allez, on va essayer de lui faire donner ce catol. Hein. Allez, les Soul Heart, vas-y, fais plaisir. La Polaroid, surtout. Je crois qu'il n'y a aucun épisode où je l'ai eu quand Mum me la donnait pas. Pourtant, c'est pas faute de la chercher à chaque fois, regardez. Bon, là, je gagne plus rien. Allez, donne-moi ce Scuttle, toi. Ouais, de la vie serait pas mal aussi. Hop, c'est quoi comme carte? The Joker, non? Alors ça, ça double les clés. Bon, bah, je suis tranquille niveau clé. Allez, donne-moi les cœurs. Non. Hop, le souleur t'en prend. Je vais aller juste checker rapidement la salle secrète. Merci pour le Soul Heart et les deux bombes. Bon, la mitre est en mode bien, donc en mode je t'aide, donc c'est plutôt cool. Allez, laisse-moi ton item s'il te plaît. Toujours pas. Ah, c'est con parce que là j'ai le dice quoi. Non, la clé. Bon, tant pis, on n'a pas besoin, j'ai pas gâché une bombe pour une clé. Allez, c'est parti. Il m'a laissé aucune trinket depuis le départ, hein. Je remarque seulement là, mais. Burn the penny, ouais. Moi ouais, j'ai envie de dire, vas-y, hein, les dégâts, j'en ai pas besoin, je vais garder flat penny et burn the penny, c'est pas mal. Bon, y'a plus rien là non plus. Allez, on va à la bibliothèque et je vais essayer de faire pop tous les livres, et après, normalement, je pense qu'il y a moyen de changer. Il y a la nouvelle salle, il y a la super secrète.
qui m'est dévoilé grâce à Spelunker Hat, ou Spelunky, je sais plus. Une bombe. Pas de coffre doré, hein, par contre. Oh, encore une machine bleue. Ah, il me faut de l'argent, du coup, maintenant. Il n'y a pas de pilule bombe égale monnaie, un truc comme ça. Donc, bah. Faudrait que je joue avec la machine à dons de sang. Pour ça, il me faudrait des cœurs. Allez. Ouh, Steven. Ah, oh, ça, c'est un bon damage up, ça. Mais c'est pas ce qu'on veut. Allez, on change, tant pis. Ça fait mal au cœur, hein, quand même, de dire non à Steven. Je vous le cache pas. Allez, attention, pas se prendre de coups par les yeux. Allez, mouche. Bon, là, vous allez finir, lui. Le Soul Heart, bien sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Le Book of Shadows. Le Book of Shadows. Donc, j'utilise les deux. Donc, normalement, ils ne peuvent plus réapparaître. En plus, j'ai déjà eu le Book of Anarchy. Donc, normalement, il doit rester encore un ou deux, il me semble. Un ou deux autres. Et puis après, logiquement, ça devrait être tous des items qu'on trouve en temps normal. Il me semble. À moins qu'après ça reset les livres, mais je crois pas que ça marche ainsi. Vas-y, deux slots. Bon, c'est Bob's Rotten Edge, j'en ai rien à carrer. Ok, il m'a touché, bien joué. Oh là là. Misère, misère, misère. Ça c'est quoi ça? Wheel of Fortune. Bon, on va la péter, hein. J'ai besoin d'argent. Celle-là ne m'intéresse pas. Alors là, c'est quoi? Bombes arquises. Non, non, non. Je préfère avoir plus de clés, étant donné que maintenant j'ai. La queue du chat. Alors, voilà, deux Book of Revelation. Donc là, hop, je vais me prendre l'autre pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug et qu'il ripop pas. Bon, malheureusement, ça veut dire qu'on va se taper, à mon avis, l'autre chiant là, comment il s'appelle? Def. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera le Cube of Meat et puis c'est tout. Allez, un coffre doré. Encore des items, s'il te plaît. Encore des clés. Et des bombes. Ah oui, c'est vrai, maintenant... j'ai Flat Penny Vampire. Alors la question, c'est est-ce que sur une seule pièce, je peux avoir à la fois une bombe et une clé? Ou alors, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ça, je sais pas du tout. S'ils se cumulent ou si c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, je crois que c'est la première fois que j'ai la Burn Penny et la Flat Penny. Ça fait plaisir. Et j'ai dit non, la Bloody Penny, il manquerait plus que la Counterfeit Penny, on les aurait toutes eues. Bon, les Lust, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, mon petit. Tears Up, vas-y. Ça, c'est quoi? Hierophant, vas-y. Clac, clac. Hop là. En plus, je suis même pas dans le bon chemin pour les boss. On s'en fout, hein. Là le but clairement c'est reroll, vous aurez compris. Allez, on va reroll, là normalement on aura le monster manual ou un truc télépathie fort de mise, je crois. Ah non, il y a Book of Sin, j'ai oublié. Alors, monster manual, on s'en fout. Là, donne-moi un Soul Heart. Non, une bombe, on prend quand même. Voilà, donc là normalement, dans un reroll ou deux, max, si je dis pas de conneries, je devrais avoir les items, hein. Je devrais plus avoir les livres. Allez, un item. Non, que des bombes. Bon, on prend quand même. Ah, il me faut la Polaroid aussi. Hein, parce que là, je pense à avoir les items. Quoique, si j'ai Mums Eye et un autre item de Mum et que je débloque Mums Contact, aller à The Chest, c'est pas que je m'en fous un peu, mais bon. Ce sera du bonus. Là, je voulais y aller depuis le début de la partie pour avoir plein de coffres dorés et ainsi augmenter mes chances d'avoir la d'avoir Mums Eye. Mais bon, là, si j'ai pas la Polaroid, il y aura pas de The Chest. Ouh! C'était chaud. Ah bah, il m'a eu quand même. Bien joué. Ça vaut pas. Attaque quoi. Hop. Soul Heart et cœur rouge. Parfait. Ici, pas se faire avoir. Attention. Ah, voilà, je me fais avoir. Et ça cause des mouches, hein, parce qu'on contrôle pas. On contrôle pas où elles vont, en fait. Alors, attention. Une pièce. Une clé. Alors, est-ce que... Je veux juste tester s'il peut y avoir une bombe et une clé qui sortent en même temps. Bon, en tout cas ça n'arrive pas. Non, on va aller reroll. Il y a aussi Crack the Sky, hein, que je dois reroll, mais là je veux tester ma théorie de la bibliothèque. Allez, on change les deux.
Voilà, il n'y a plus que lui. Normalement, franchement, au prochain reroll, si je dis pas de conneries, au prochain reroll, ça doit plus être des livres. Allez, on retourne là parce que je veux des rerolls et puis surtout je veux de l'argent. Parce que l'argent ça me permet de jouer à la machine bleue et ça me donne des clés, des bombes, enfin tout est bénef quoi. Allez, un bloodbag sera encore mieux hein. Vous voyez, on a un sim un peu plus longtemps j'ai l'impression. Bon allez, clac 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 clac. Ah ouais, ça, burn penny, flat penny, ça fait le taf. Allez, donne-moi moins Scatol ou la Polaroid. Allez, ça commence avec les trinkets, on va espérer que ça continue. Ouais, ça m'intéresse pas, mais vas-y, continue. Donne-moi juste pas... comment ça s'appelle? La tique. Ah, me donne pas la tique, hein, mec. Non, la machine, plutôt. Ou non, toi, tu vas te tuer, toi. Oh, t'as de la chance. Hop, continuons. Non, alors là, attention, je veux pas ces trinkets là, je veux celle-là, parfait. Bon, le Soul Heart c'est gentil. C'est pas forcément ce que je veux. Allez, au moins Scatol ou un truc quoi, je sais pas. Allez, des pièces. Donc des bombes. Ah ouais, ouais, là je crois qu'il y a une pièce qui a fait une bombe, une clé, donc ça veut dire que ça se cumule. Le red patch, c'est notre trinket, mais c'est pas ce qu'on veut. Allez, la Polaroid, quoi. Pour une fois que je l'aurai d'une machine bleue, s'il te plaît. Une carte de tarot, ça va être quoi, ça? The Joker. Ah, je vais la garder, hein. Ouais, ouais. Ça peut être pas mal, The Joker. Allez. Ouais, tu sais quoi, là il y a trop de trinkets, je vais aller jouer à l'hot tranquillement. Ouais, donne-moi les clés, on s'en fout. Allez, c'est parti. Je veux au moins finir ce niveau avec soit la Polaroid, soit au moins Mums High. Attention à ce que ma théorie se vérifie. Oh, il y a encore lui que j'avais oublié, quel con. Ah là 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 là. Bon, normalement là il y aura plus de bouquins là, déconnez pas. Donc je n'utilise pas The Joker évidemment parce que sinon ça m'enverra à Sheol étant donné qu'on est à Womb. Allez, Polaroid. Fish Head, encore une trinket mais c'est pas la bonne. La tique, ah c'est ce que je demandais pas. Bon là il doit plus rester énormément de trinket là franchement. Fous-toi pas de moi. Donne-moi ce que je veux, là c'est quoi? The Word. Je l'ai déjà. Ah ouais, elle pète malheureusement. Bon. Je reprends mes deux machins. Allez, là serait bien qu'en direct il y ait une bombe, une clé qui sorte. Et voilà. En plus j'ai la clé dorée maintenant, donc plus rien à foutre. Des coffres dorés. Ouais, donc c'est bien cumulé. Cumulable. Et ça c'est cool. Allez, on continue, ce sera une partie longue, mais bon. Je me mettrai en toutes les chances de mon côté d'avoir... le dernier secret, là, eux, on les tue. On s'occupera de l'autre après. Hop. Allez, les mouches. Allez, les mouches. Bah, je peux le tuer là, je suis con aussi, moi. Hop. Bon, de toute façon, c'est pas ça que je vais changer en priorité, j'ai envie de dire. Donc, on prend le speed up. Ce qui est con, parce que j'aurais dû prendre Steven tout à l'heure. On fait le con, là. Continuons. Oula, deux en vie. Ça fait chier, ça. En plus, il y en a un qui va se diviser en trois parce qu'il y a les têtes bleues. Oh là là là. C'est pas sympa, ça. En plus, ça rame un truc de fou. Ah ouais, vu le nombre d'ennemis, forcément. Déjà que le jeu rame quand il n'y a pas d'ennemis, alors quand il y en a beaucoup. Ça n'aide pas. Je me suis pas pris de coup pour l'instant, et voilà. Il suffit que je le dise, ça m'énerve. Faut que je me taise. Allez, ça rechargera le dice.
Allez, il reste encore une machine bleue. Là, elle a pété, on le sait. Alors, celle-là, c'est quoi comme film? Je sais plus ce qu'elle fait. C'est pas un tears up? Non, c'est bon, aux archises. Ça, on s'en fout. Allez, hop, hein. Continuons. Allez, la bibliothèque, là. Un bon truc. Crack the Sky aussi, faut que je change. Allez, là, faut que ce soit un autre item que des livres. Voilà, donc ça marche bien ma théorie. Ce qui est cool. Donc, oh, la pièce de 25, pourquoi pas. Non, faut quand même que je change. Donc, Sacrificial Dagger qui est pas mal aussi. Vraiment des bons items. Donc là, maintenant, l'avantage, c'est que je peux changer deux items par deux. Donc, c'est cool. Au moins un item de Mums, comme ça après dès que j'ai Mums, aïe, ça débloque Mums contact, parce que je crois que j'ai toujours pas eu Mums quelque chose. Faudra que je regarde, je vais regarder maintenant, attention, clac clac clac. En plus elle marche bien les deux là. Pas mal de chance au niveau des pièces. Alors Mums Gun Purse, Mums Purse pardon, ça ne marche pas et j'ai pas eu d'autres items de Mums. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que au moins j'en trouve un, même spade, même bras, même lipstick, ou même les chaussures. Maggie's Face, c'est pas mal, mais j'en ai pas besoin. Alors lui, on va attendre qu'il s'ouvre. Voilà, t'es mort, tu me donnes de la vie. Lui, il va mourir, parce qu'on va le mettre dans les pics. Même pas. Ah, j'ai des super mouches, hein. Allez, on va changer les deux autres items, rebelote. Bon, c'est un peu long, je comprends, mais je veux vraiment avoir ce dernier secret. En plus, dans la même vidéo, je débloque Pinky Cheers et je le trouve, donc pas de raison que ça ne marche pas pour Mums Contact. Mais d'abord, il me faudrait Mums Eye. Allez, c'est parti. Changement. Voilà, encore deux super items. Que je ne prends pas. Ah putain, l'item martyr, c'est... Blood of the Martyr, c'est vraiment dur de dire non, mais bon, c'est ainsi. C'est pas ce qui nous intéresse dans la vidéo. Puis cette satanée Polaroid, mais bon, comme je l'ai dit, si jamais j'arrive à avoir même ce contact avant, je m'en foutrais un petit peu d'aller à The Chest, hein. Même si, bon, avec l'équipement que j'ai, ça pourrait faire plaisir. Mais non, là, la Burn Penny et la Flat Penny n'ont pas réagi. Voilà, allez, attention. Voilà, tranquillement. Voilà, j'ai pas mal de bombes parce que à chaque fois c'est vrai que j'ai le bomb bag qui me laisse toutes les 4 salles ou 5 salles, je sais plus, une petite bombe. Mais bon, j'ai toujours plus de clés que de bombes pour l'instant. Voilà, donc c'est rechargé, rebelote, on refait le chemin. Il doit plus rester beaucoup d'items là parce que depuis le début j'arrête pas d'abuser du dé, je le sais, mais c'est l'avantage d'Isaac et le but c'est de trouver les items qui m'intéressent. D'abord j'ai tombé sur un docteur fœtus. Allez, on change chez de là. Alors c'est même ce lipstick, hein, ça c'est ça, ouais. Donc on prend parce que comme ça après si je débloque ça, c'est gratuit, hop. Si je débloque Mums Eye, et ben directement, clac, ça va débloquer Mums Contact, étant donné qu'on aura Mums Eye plus un autre objet de même. Donc voilà, même si c'est pas un item pourri, que vous devez vous dire pourquoi il prend ça, c'est nul, alors qu'en plus il a le Dice, depuis tout à l'heure il y a des trucs de fou et il reroll. Là c'est prévu, hein, c'est voulu. Allez, on joue pour des pièces. Ah bah ouais, et le Blood Bag qui tombe. Bon bah on prend, hein. Pas dire non au Blood Bag, lui je vais plus jouer parce qu'on s'en fout, je vais même le péter parce qu'il m'énerve. Clac, t'es mort. Hop, hop, pas de clé, la Flat Penny qui a décidé de bouder. Continuons. Ah, la boule de cristal, ouais, il manquait plus que ça. Très bon item ça, la boule de cristal. Bon, ça me donne un Soul Heart. Un item en plus à changer, hein. Je vais quand même garder The Joker. Bah c'est con parce qu'elle a pété et que j'ai plus de moyen d'avoir la Polaroid maintenant. Il y a des salles encore là-bas. Clac.
Il doit plus rester non plus beaucoup de trinkets que je n'ai pas eu, hein, parce que là, j'en ai fait sortir pas mal des deux machines bleues, notamment la tique. Allez, peut-être d'un coffre comme ça, non. Ah, encore une bombe, parfait. Ici, on a un monstro normal, même pas monstro 2. Alors lui, il va vraiment pas faire long feu pour le coup. Allez. Clac. Le dé rechargé, donc on retourne. En même temps, maintenant, il n'y a plus qu'un item. Vu que j'ai pris le même slipstick, donc autant changer le premier qui vient, j'ai envie de dire. Autant changer celui-là. Rosary, on va se taper la Bible, mais c'est pas le pire à changer. En plus, si on se tape la Bible dans une salle de l'ange, et ben c'est pas gênant parce que avec le dice, je pourrais reroll et tomber peut-être sur, je sais pas moi, Sacred Earth par exemple, hein, au hasard. Troll bombe, on s'en fout. Ici, un laris bleu, c'est trop gentil. Avec en plus, non rien du tout, juste le Soul Earth qui apparaît, voilà. On va faire les trois dernières salles par là. Clac, clac, clac. Vous mourrez tous. Avec une pièce. Et une clé. En plus là, il y a plein de coffres dorés et j'ai la clé dorée donc c'est parfait. Hein. J'utilise même plus mes clés, je peux vraiment les garder. Mais il faudrait que j'ai la Polaroid pour aller à The Chest parce que là elles ne me servent à rien. À rien du tout mes clés. C'est dommage. Parce que là si on a la Polaroid à The Chest, on pourra se faire bien plaisir, autant vous le dire. Alors c'est quoi ça comme carte? Tout offert. Ça, ça double mes cœurs. J'en ai pas besoin forcément. En plus la machine à don de sang m'a donné. Ok, attention. Hop, voilà. M'a donné le blood bag, donc ben, on peut plus jouer maintenant. Et recharger le dice. Donc c'est con parce que sinon j'aurais pu utiliser pour redoubler mes cœurs rouges. Donc quand ils étaient à 3 pour les remettre à 9, à 6. Ouais, 3 x 2 égale 6 égale pas 9, hein. Faut pas dire n'importe quoi non plus. Allez, on va changer ça, crack the sky, dégage. Oh ça c'est un trop bon item. Et l'autre là-bas, je sais plus ce qu'il reste comme item. En tout cas, si j'ai le choix entre les deux, je prendrai ce que je viens d'avoir. Oh, le Mangean. Bah, vas-y, de toute façon, on sait que tu peux laisser des trinkets. Tu peux le faire. Tu peux aussi laisser des items. Même Ice, sans te commander. Allez, depuis le temps que je le demande, là, s'il te plaît. Faut que ça tombe. Des bombes et des clés, je m'en fous. Allez, au moins une trinket, quoi. Un Soul Earth, ouais. Alors ça c'est pourri, on le prend et on le repose. Clac. Hop. Et le troisième qui va connaître la même sentence. Oh non. Bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, on va changer ça. Maintenant, Skeleton Key, bon ça arrive un peu tard, j'aurais pris direct si c'était le début de partie, mais là franchement, au niveau des clés je suis tranquille, donc ça ne sert à rien du tout. Hop, des bombes, on prend. Ouais, une salle facile comme tout en théorie. Ouais, je vais quand même faire exprès de me prendre un coup pour recharger le dice. Voilà. Et hop. Polyphemus. Bon, là, il n'y a pas. Je prends. Un coffre normal là, avec du explosif, on s'en fout un petit peu. Hein. Ça c'est quoi, je ne sais plus. Lockdown, on va laisser tomber. Peut-être pour ça que j'étais un peu malchanceux aux machines.
Eh bah c'est même pas le cahier de l'apocalypse. Je pensais vraiment que c'était lui, mais ce n'est pas lui. Bon bah tant pis. Hein. En même temps je m'en fous, comme ça j'ai pas le cube of 8 numéro 1 qui sert à rien. J'ai le HP up qui sert pas forcément plus, mais bon. On prend. Et on va aller changer une dernière fois les items et puis on va aller battre It's Live et c'est parti pour la cathédrale après. En espérant tomber encore sur une machine bleue. Là j'ai pas de chance, hein, les deux ont pété, une donnant la boule de cristal qui sert à rien. Voilà, donc ça c'est pas trop mal, en plus ça me ferait un speed up et ça diminuerait ma range. Et ça, ouais, c'est clair que ça je change. 10 bombes c'est inutile. Allez je me fais péter, je m'en fous. Je recharge le dice jusqu'à temps que j'ai un truc bien. Bon, par contre, il faut que j'attende que je ne sois plus invincible pour le faire. Voilà, ça dure bien plus longtemps dans la version 1.5. Clac, on change. Encore des bombes. Ah, je fais n'importe quoi, je les gâche. Donc là, c'est long, c'est un peu chiant, mais faut vraiment que je fasse gaffe. Allez. Ça fait un bail que j'étais pas tombé dessus. Number one. Allez encore. Ah putain, on voit mes soul earth maintenant. Bon, dernière fois alors. Hein. Bon, ça je vais pas le prendre, ça met une bonne fréquence de tir, mais l'item que je vais prendre juste après aussi. Et puis en plus ça met ma portée au minimum, donc c'est vraiment pas le bon plan. Allez, crac. Ah tiens, on va prendre ça, c'est pas mal. C'est pas ce qu'on veut, mais on prend. On prend ça. Clac, je vais regarder mes stats juste par curiosité. Ouais, ça met fréquence de tir au minimum, mais bon, là j'ai pris le truc qui me la met normalement à fond, mais c'est resté sur le fait que j'avais pris Polyphemus, je vois. Allez, on va battre It's Live. Hop, la mouche qui a tué l'œil, ça fait plaisir. Bon, j'aurais peut-être dû prendre l'amélioration des bombes là, Mister Mega. Ah, je l'ai posé trop tôt. Oh, saleté de mouche, ça va. Ouais, les mouches qui sont plus pénibles que Meat Boy encore. Les bombes là c'est vraiment chiant. Donc, par contre elles sont efficaces hein, parce que les mouches leurs dégâts dépendent des vôtres et j'ai Polyphemus, donc autant dire qu'une mouche ça fait très mal pour l'ennemi. Allez, t'es morte. Le Soul Earth et on va à la cathédrale hein. Objectif the chest toujours, encore et toujours. Alors l'avantage c'est que la nouvelle salle secrète, ben, vu que j'ai Spellucker Hat, je devrais pas la chercher. Normalement je vais la trouver tout seul. Ici. On a de l'argent. Bon, une éventuelle machine bleue, on sait jamais. Bon, les clés pour un éventuel the chest, on sait jamais aussi. Allez, on va continuer par là. Daddy Long Legs, vas-y, viens là. Bon bah, il a pété les rochers qu'il protégeait, tant pis pour lui. Paf, t'es mort. J'ai le dice rechargé. Ce qui fait que je pourrais aller à Satan, j'y ai même plus pensé. On change. La marque pour un cœur. Allez, vas-y, tu passes après. Si t'es en magie, on va dire non par contre. Coffre doré, allez, avec un item, non. Sous le Earth, on prend quand même. Je vais faire les deux dernières salles là-bas. Mon avis, il y aura la super secrète. Non, peut-être pas par là, je sais pas. J'attends qu'elle se manifeste. Coffre doré, bon, on peut les ouvrir. Hein.
Ah, niveau bombe et clé, je suis vraiment pas mal. Hein. Ah, bah, c'est LT quand même là, donc je suis de mauvaise foi. Allez, une machine bleue ou la Polaroid ou rien. Attention. Oh là là. Si on me l'avait dit. Si on me l'avait dit, je l'aurais pas cru. Incroyable. Eh bah, elle tombe. Alors, je prends quoi là? Oh, les clés, j'ai assez, faut pas abuser. Donc, je vais garder la Burn Penny. Ça fait plaisir. Oh, la partie, elle sera bien longue là. Je sais pas si vous allez regarder jusqu'au bout. Allez, même aïe ou rien. C'est un signe, ça, la Polaroid, c'est un signe. Ce serait bien d'avoir un petit item à recharger à The Cathedral quand même, pour dire de pas faire tout ça pour rien. Peut-être dans l'arène, pour ça que je vais vérifier. Allez, la mitre, donne-moi le maximum de Soul Heart pour survivre à The Chest. Ah, mais c'est vrai que j'ai le sac of bombes, donc j'aurais peut-être pas dû. Bon, en même temps, j'ai assez de clés, hein, donc ça sert à rien. Hop là, un petit Soul Heart bien sympathique. Ici, on s'en fout. Allez, on va faire les deux dernières salles, comme ça on aura fait tout The Cathedral. Là, bon, on prendra sur le retour. Et ici, on a les Loki. J'ai toujours pas Loki Spawn pendant que j'y pense. Là. Putain, ça m'énerve ça. Des items comme ça, ils veulent pas apparaître. Qu'est-ce qu'il y a eu en haut là? Je sais pas. Ah, c'est la mouche qui a peut-être pété ce qu'il a invoqué. C'est possible aussi. La Burn Penny qui boude. C'est pas grave. 36 bombes, c'est largement assez. Ah, ça fait plaisir la Polaroid quand même. Franchement. En plus, elle m'attendait. Je me suis dit, quand j'ai vu, en fait, j'ai pas vu tout de suite la trinket. J'ai vu directement que c'était pas une machine bleue. Je me suis dit mince. Et en fait, non, elle m'attendait là. Même pas besoin de la chercher dans la machine bleue. Elle était sur le sol. Elle m'attendait gentiment. Hop, de l'argent qui servira plus, je pense, à moins d'un éventuellement de gens. Sait-on jamais. Bon, au moins là je vais arriver à une carte The Sun, ouais c'est pas mal. Au moins je vais arriver à The Chest avec un dé rechargé. Je pourrais tout de suite l'utiliser sur les 4 coffres qui ne m'intéressent pas. Bon, lui il va apparaître là, voilà t'es mort. On connaît ton petit jeu. Ici, les deux mêmes. Ah mais mes mouches elles font mal hein, là c'est Polyphemus hein. Ça c'est clair. Alors, lui va pas faire long feu. Attention eux. Ils explosent. Voilà, faut se tenir assez éloigné. Une petite pièce qui ne me donne rien du tout. Burn de Penny là, franchement. Marche moins bien. Hein. Parce que j'ai abandonné Flat Penny, qu'elle fait la gueule, je sais pas, mais. Allez, c'est parti pour Isaac. Alors là, regardez juste les dégâts de mes mouches. Hein. C'est assez affolant, surtout qu'en plus avec Little Gish, il va souvent être... Oh, il me touche quand même. Tiens, boum. Et bon, ça marche aussi. Oh, je me suis pris deux coups là, c'est incroyable ça. Allez, deuxième phase. Ah, mais si je pousse mes bombes, je suis con aussi, moi. Allez, hop. Oh là là, je me prends quand même des coups. Hein. Ouais, mais si je vais sur l'ange aussi, là c'est ma faute. Hein. Là c'est moi. Il meurt. À la bonne heure. Oh, l'autre il a failli apparaître pile poil où j'avais mis ma bombe, ça aurait été magnifique. Allez, The Chest. On l'aurait pas cru, mais on y est. Attention. Ok. 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 Et ok. Alors la relique, on prend. Shuldaoup, on prend, on remet. Forget Me Now, on prend, on remet. Et Celtic Cross, on prend pas. Continuons. Ça, on prend, on remet. Et le reste, on prend pas. Pas extra, hein, les coffres. Allez, attention ici. Hop, une petite bombe pour niquer Lust et en même temps d'avoir la salle secrète, pas du tout.
Alors, ah ouais, il y avait cette trinket là que je n'avais pas encore débloqué. Lank. On verra si on peut la changer. On sait jamais, hein. L'épic fœtus est vite arrivé. Allez, les deux monstros. Mode brimstone, parfait. Les deux monstres 2, pardon. Ouais, là, franchement, Little Gish qui me simplifie énormément la tâche. Bon, Polyphemus aussi, évidemment. Hein. Mais quand ils sont bloqués comme ça, ils sont vraiment inoffensifs. Allez, un coffre doré, parfait. Max Head. Bon, allez, vas-y. Pas tout reroll non plus, on n'aura pas assez de salle. Ok, là, il n'y a rien. Ici. Pestilence et War. Manquerait plus que les tout fleuves là, les tirs édentés là. Oh là là, les dents qui sortiraient seraient vraiment énormes. Un coffre, parfait, avec. Oh, c'est pas trop mal ça, mais ça ne sert à rien. On va changer tout de suite les trois coffres là-bas. Clac. Alors, le D20, pas besoin, et le reste, c'est pas mal, mais pas besoin. Alors, Pestilence, c'est version bleue de Famine, donc qui va ne faire que charger, et qui en plus me touche. Bon, c'est pas grave, il a laissé un Soul Heart l'autre. La relique aussi, peut-être, de temps en temps, non? Deadbird, c'est pourri. Allez, les Loki. Voilà, dès qu'ils invoquent, on les punit. Je me suis fait toucher quand même là. Bizarre. Je sais pas pourquoi je me suis fait toucher. Oh, vous voyez les tirs que je là que je lance, ça fait mal. Ok, donc c'est rechargé. On continue. Changer les trois, voilà. Ça, c'est encore un item de même. Hein. Vraiment même aïe, c'est le seul qui me manque là. Allez, famine et war version noire. Donc lui sera des troll bombes de mémoire. Voilà, c'est ça. On se casse. Il va me toucher quand même. Et passe en deuxième phase, mon petit. On sort pas de l'écran quand même. Il sortit de l'écran, je comprends pas. Merci, la relique. Clac, clac. Allez, on va aller là-bas. Toujours pas la nouvelle salle secrète, au fait, donc j'y pense. Il reste une salle à droite, on va la faire. Oh là là, tati longlegs, salopard. On pourrait l'avoir aussi, ce serait sympa. Encore un coffre, décidément. Ouais, bah pour ça. Pas obligé de me le laisser. Hein. Donc The Bean. Bon, ça je le changerai pas, c'est clair. Même si c'est un peu tard, on sait jamais. Ça on s'en fout. Ah, j'aurais pu le changer avec le D20, j'ai pas pensé. On change ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça sert à rien, la Game Kid. On a le virus que j'aime beaucoup, mais bon. Tant que j'ai pas même aïe, je ne prendrai rien. Oh là là là, c'est une explosion là. Clac. Ici. Oh, que je les aime pas. Bon, là, je vais utiliser mes bombes. Hein. Que si elle me chiche pas moyen de trucs radioactifs, ça va être un peu embêtant. Voilà, passe en phase 2, toi, parfait. Voilà, une en moins et l'autre. Allez, l'autre, j'ai dit. Bah, elle est morte. Allez, un coffre avec. Eh oui, Lemon Milchap. Qui sert à rien et ah bah la super secrète, allez vas-y, on va la mettre là.
Allez, tu meurs. Et ici on a quoi? Un coffre comme ça, bizarre, avec un soulevant. Étrange. Hop, 40 bombes, parfait. Bon, 54 clés. J'ai bien fait de pas prendre la viande de Penny, la flat Penny. Je vais y réussir. Ici, on change tout. War of Babylon que j'adore. On prendra pas. Allez, laisse-moi tes grosses bombes. Là, je le veux bien finalement. Changer d'avis. Allez, j'ai changé d'avis, mon vieux. Ouh, intéressant. Ah, ça fait quand même deux items, hein. On pourra peut-être pas le prendre tout de suite. Allez, encore un item. Oh là là, my reflection. Allez, on le prend pour le fun. Ça va faire quoi ça? Oh, ça fait des trucs bizarres. Du coup. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va se faire péter une fois ici, allez. Changeons tout ça. Oh, The Halo, le. Oh là là. Oh, alors, si je prends ça, je suis overcheaté. Allez, on se refait péter. Ah, mais si j'attends pas que je suis. Ah, il y a The Halo et tout. Ouais, vraiment des trucs cheatés, hein, franchement. Mais c'est abusé qu'il n'y ait pas même. Aïe. Et j'attends pas, je gâche mes bombes, j'attends pas d'être plus invincible. Voilà. Hop. Même. Aïe, tu veux pas? Non, toujours pas. Moi, bon, je me refais péter, hein, tant pis. Hein. J'ai The Sun, donc voilà. J'espère juste que ça passera quand même. Putain, faut que j'attende vraiment. Là, je gâche mes bombes. Allez. Oh là là. Ça sert à rien, mais bon, je crois que j'ai envie de le prendre là, l'item. Parce qu'avec Polyphemus et tout, et le couteau qui en plus reviendra plus vite grâce à My Reflection. Ouais, je crois que le même snipe, je vais le prendre. Parce que j'ai envie de tuer quand même. Le boss. Oula, je peux mourir, attention. Utilise The Sun quand même. Et ça rechargera le dice. Un soul heart, bien gentil. Ah, pourquoi ça peut recharger le dice? C'est un truc que j'ai pas suivi là. Bon, c'est pas grave, ça va se recharger ici. Boum! Merci la relique. Alors ici, on prendra pas. C'est stressant, est-ce que ça va tomber ou pas? Allez, on change tant pis de même snipe. Trop tard. Monstre touffe, ben, ça sert à rien. Allez, on se refait péter. Parce que faut vraiment que j'ai ce fichu même snipe là, comme ça. Ce sera deux secrets en un épisode. Allez. Quand ça veut pas, The Poop, on ne veut plus ici. Ça, on ne veut plus non plus. Ouais, je me refais encore péter. Ouais, allez, il me restera deux coeurs. On va faire comme ça, on verra bien. Allez.
Non, c'est pas possible ça, des modes baby garage et tout, mais pas de. Pas de même ça, ah, décidément, quand le jeu ne veut pas, le jeu ne veut pas. Là en plus, on a deux super lust qui peuvent me tuer potentiellement. Ça, regardez les déplacements aléatoires. Oh, j'aurais dû prendre. Oh, c'est tombé, je risque de mourir là. J'aurais pas dû prendre My Reflection, je pensais que ça ferait meilleur effet que ça, mais en fait, non. Oh. C'était juste. C'est quoi ça? Dire explosif, superbe. 1, 2, troll bombe. Attention, je risque de mourir au prochain truc. Voilà, c'est-à-dire maintenant. En plus, j'ai pensé à aucun item pour ne plus, enfin, prendre la place du dice en fait. Ah là là, déception. Bon, le dice est rechargé. Allez, dernière chance. Dernière chance. Allez, on y croit. Ah, c'est pas possible ça. Bon, en même temps, là je me dis j'ai qu'un cœur. J'ai 9 vies donc je vais me faire péter. Et on va recharger le dice comme ça. Voilà, je vais revenir avec un cœur, c'est magique. On perd des vies comme ça, hein, j'ai pas le choix, hein, faut vraiment que j'ai. Oh, pourquoi ça met des boss ça? Ok, je comprends pas. En tout cas là, je peux avoir un reroll de dice si je ne meurs pas. Je comprends pas du tout là. Pourquoi ça a fait bugger la salle? Ça doit être en lien avec le Dead Cat, hein, vu que je me suis fait tuer, mais bon. Ah bah un coffre en plus, parfait. Alors si en plus t'as un bon item. Holy Water, merci. Allez, on change ça. Bon bah tu sais quoi? 1, 2, on prend ça parce qu'on sait jamais ce que ça fait. Book of Revelation, parfait. Voilà, hop. Commencer à prendre les trucs, hein. Vas-y, ça je le changerai pas. Tout ce qui peut m'aider dans les salles. Ici, on a quoi? On a quand même deux trucs à changer, hein. Faut pas faire le fou. Holy Water, ça je peux le changer. Faut que comme ça il tombera plus. Hop, je reprends le cœur. Je vais me refaire péter. Il y a quoi? Là, il y a deux items. Ouais, donc, on va changer ça. Oh là là, vraiment des bons trucs. Hein. Là, je pourrais avoir quadra shot. Je sais pas si vous imaginez. Quadra shot, quoi. Donc, faudra que je le fasse parfait, perfect, sans me faire toucher le boss, vu que je serai un cœur, étant donné que je me fais péter. Voilà. Est-ce que ça refait le bug? Non. Ça refait pas le bug. Ah si, ça refait le bug, tiens, bah alors là. Encore deux super rafts. Je comprends vraiment pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, ça me fait des rerolls en plus. Hein. Par contre, 6 vies, faudra que je commence à faire gaffe. Toujours Bruiser Bobby et Mutant Spider sur le côté là. Enfin, en plein milieu plutôt. Alors, ça laisse quoi? Hop, on change. Oui! Oui! Et là normalement je le prends et ça débloque même ce contact. Parfait. Oh là 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 là. En plus ça c'est un des match-up. Allez vas-y. Alors il me faut juste un bon truc sur espace. Je vais tenter la salle secrète. Clac en mourant. Comme ça quand je réapparais. Hop, il y a les ennemis. Oula c'est méchant là, comme ça. Là. Super Wrath, Super Lust. Slot. Ah super lust, prends-toi la troll bombe, ça m'arrangerait. Prends-toi plus la troll bombe là. Non, je suis mort, quel con. Bon c'est pas grave, on revient. 4 vies. Voilà, c'est du plus gentil là, c'est plus super lust et etc. Le problème c'est que je vais pas profiter de la Polaroid là en fait. Ouais, je vais vraiment pas en profiter tout simplement parce que j'ai qu'un cœur. Il faudrait un truc qui m'augmente ma vie. Encore un coffre, allez vas-y. Ouais, IPK, sûrement pas. On va quand même changer ça. Quoi que l'ank. Oh, l'ank serait énorme, je suis bête.
Ah oui, je serai protégé. Bah oui, ça va le faire quand même. Allez, on change l'IP, cac. Magnifique. Bah je vais continuer. Hein. De toute façon, je pourrais réussir qu'en ayant la protection de la Polaroid, ça c'est clair. Allez, The Bean, c'est clair que je te prendrai pas. Hop, t'es mort. Ici. Ah bah c'est direct que je reviens en trop interrogation. Oh, j'aurais peut-être pas dû. Je pensais pas. Un coffre doré, bah parfait. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être même ce contact direct. Bah Daddy Long Legs, parfait. Et là je vais me prendre un coup pour recharger le dice une dernière fois. Hop. Oh bah alors là. Alors là, vu mes dégâts mon petit, tu vas manger, moi je te le dis. Par contre c'est con, c'est que j'ai plus rien sur espace, on va se la tenter comme ça. C'est pas par là. Et c'est cool, on a débloqué même ce contact et etc. Les man mille chapons laisse là. Bon j'ai mis du temps, hein. Franchement la partie elle sera longue, je sais, mais. Il est finalement arrivé même. Aïe. Allez, le blue baby, qu'est-ce que tu dis? Avec Daddy Long Legs, les mouches, Polyphemus. Alors là, si j'ai pris même Knife, laisse tomber. Je te dis pas. Oh, bah par contre, là, plus que je me fasse toucher maintenant. Je sais que j'ai la Polaroid, mais bon. C'est pas une raison. Faut que je fasse un perfect. Enfin, un demi-perfect qui m'a déjà touché une fois, mais non, j'ai plus le droit de me faire toucher. Ah, j'aurais peut-être dû prendre. Comment ça s'appelle? Celtic Cross, là. Ah, là, je regrette un peu. Là. Là je dois l'avouer, en plus j'ai My Reflection que j'ai complètement craqué mon slip quand je l'ai pris. C'est vraiment inutile comme item ça, je me comprends pas, je fais des choix bizarres des fois. En tout cas il y a le Dead Bird qui reste au corps à corps. Il est mort. Parfait. Ok, pourquoi ça me débloque Non, me dis pas que c'est ce que je pense. Moi, je vais tenter un dernier truc. Vu que je peux encore me faire péter une fois et on sait jamais hein, si ça apparaît, qu'est-ce qui me manquerait. Allez, Loki's Horn. Ouais, bah, The Wafer. On prend, mais bon, ça sert à rien. Ça m'aurait été bien utile avant, là, pour le coup. Donc voilà, on va finir la partie et je vais regarder un truc, là. Ça m'intrigue. Parce que je l'avais déjà débloqué, ça, j'en suis sûr. Donc on peut pas passer là. Petite Polaroid. On va tous taper, c'est pas grave. Ah, j'espère que j'ai pas le fameux bug qui empêche d'avoir Platinum God. Parce que là normalement j'ai débloqué tous les succès sauf Golden God et Platinum God. Qu'on débloque en ayant en fait tous les items du jeu et là il m'en manquait plus grand chose vu que j'ai Mums High maintenant et Pinky Cheers. Donc il m'en manque en fait, il me manque Fate, Epic Fetus, Mums Contax que je viens de débloquer forcément et Loki's Horn et Docteur Fetus, donc 5. Donc ça, et voilà, ouais, ça a bugué. Ouais, 106 morts, c'est normal, je me suis tué plein de fois. Au niveau des items, il manque 5, comme je l'avais dit, hein, vu qu'il y en a 100... ouais, 198, il me semble, ouais, c'est ça. Et ouais, Iceberg Foot, même ce contact que je viens de débloquer, Pinky Cheers aussi. Et là, il n'y a plus, ouais, il n'y a plus les autres trucs, genre Left End, etc. Bon, bah voilà, bah, en fait, ce sera l'épisode final. Donc voilà, ce sera un épisode bien long pour la fin. Parce que je vais pas m'amuser à chaque fois si ça bug à refaire les trucs avec aller à The Chest avec Samson, Kane, etc. Parce que là on voit qu'il n'y a plus Kane's Eye et Left End, etc. En plus Ultra Pride c'est ultra aléatoire, donc je sais pas quand je vais retomber dessus, donc je vais pas m'amuser à refaire ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma sauvegarde de Platinum God, donc la prochaine fois je pourrai recommencer les parties avec Platinum God et tous les items débloqués. Donc bah, c'est la fin de ce let's play, donc c'est la version 1.5, vous avez vu que ça peut être assez compliqué avec les drops de Polaroid, là j'ai eu de la chance par miracle qu'elle soit dans une super secret room, mais parfois c'est bien galère de la choper la Polaroid. Donc voilà, bah, j'espère que ce let's play vous aura plu, vous inquiétez pas, je continuerai les parties mais cette fois-ci sur la version 1.48. Allez, ciao à tous!